Le grand rendez-vous européen. Édition spéciale. Avec Le Monde et iTélé. Michaël Darmon, Arnaud Le Parmentier, Jean-Pierre Elkabbach. À l'international, nous savons bien, et je le sais parce que j'étais il n'y a pas longtemps au Liban, j'ai abordé ces questions en Algérie il y a assez peu de temps, et je l'avais fait à Moscou. Je crois qu'il faut que nous nous engagions, et c'est essentiel, dans quelque part une inversion de nos alliances. Et que la priorité des priorités, c'est quoi ? C'est la lutte contre l'État islamique. Et que la politique, c'est pas simplement de la morale. Bachar el-Assad, nous le condamnons totalement, moralement, bien évidemment. Mais l'ennemi prioritaire de la France et du peuple français, c'est l'État islamique. Et il faut avoir le courage de se dire que pour partie, nous étions dans une impasse. Dans le choix que nous faisions jusque-là. Pour vous, c'est pas Bachar nourrit l'État islamique qui se nourrit de Bachar. Tout ça, c'est des débats. Ce que je constate, c'est que c'est l'État islamique qui vient tuer les Français dans Paris, que c'est l'État islamique qui, aujourd'hui, est l'ennemi numéro un de la France. Comment on fait ? Le grand rendez-vous européen. Édition spéciale. Avec Le Monde et iTélé. Michaël Darmon, Arnaud Le Parmentier, Jean-Pierre Elkabbach.